Pendant les procédures de fermeture de votre spa pour l'hiver, c'est le bon moment de nettoyer l'intérieur du spa, de nettoyer l'acrylique. Pourquoi le faire maintenant? En fait, c'est certain qu'au printemps, vous allez quand même avoir envie de faire un petit nettoyage avant de remettre de l'eau propre. Mais maintenant, on vient tout juste d'enlever l'eau bien chaude, on vient de retirer les jets. Alors, on va éviter de laisser sécher en place les impuretés, les saletés. Ça les rendrait plus difficiles à retirer. On va tout nettoyer. On va prendre notre nettoyant à acrylique, vaporiser la surface du spa. Avec un linge humide, enlever l'excédent. Et avec un linge sec, il va rester une fine pellicule. On va venir polir. Ça redonne de la brillance et du lustre à l'acrylique de votre spa. Sérieusement, on le fait à la fermeture, mais je vous encourage à le faire à chaque fois que vous allez simplement changer l'eau du spa. Notre couvercle, maintenant, aussi, on va le protéger pendant l'hiver. Et on pourrait le faire aussi à plusieurs reprises pendant la saison, puisque notre nettoyant est aussi un protecteur à vinyle. On l'utilise de quelle manière? D'abord, avec un linge humide, on va enlever le plus gros des saletés de sur le couvercle du spa. Par la suite, avec le nettoyant, on vaporise et avec notre linge, on enlève l'excédent. Le nettoyage sera fait et la protection sera bien en place.